Il était une fois les Courroucées. C'est une tribu nomade qui cherche un lieu où habiter. Sauf qu'ils ont un fort caractère et ils ont besoin de vous. Bonjour, je m'appelle Tina Benzohar et je suis étudiante en quatrième année à l'École supérieure d'art et de design en mention objet et je suis également médiatrice culturelle à la Cité du design. Aujourd'hui, je présente le projet Les Courroucées qui est un projet que j'ai développé cette année. C'est l'histoire d'une tribu qui est nomade et qui se promène de lieu en lieu. Les Courroucées naissent des émotions que j'ai transmises à ces formes. En fait, chacune de ces émotions vont naître grâce aux éléments naturels qu'on va trouver dans le square, comme le soleil, le vent, la pluie. Ils vont ainsi bouger. Les plus énervés vont se mettre face au vent, les plus timides vont venir se cacher dans les buissons et les plus joyeux vont se pavaner au soleil. Vous allez retrouver différentes formes en papier, en bâche ou encore en métal qui vont justement se superposer et créer des petits monstres ou une nouvelle espèce qui vient avoir une certaine personnalité. J'ai créé ce projet pour qu'ils vivent dans le square Victor Solcher qu'on va retrouver juste derrière la cabane du design. Et ces courroucées vont venir vivre dans ce lieu, venir s'installer. Mais pour venir s'installer, ils doivent venir rencontrer le public également qui a des chances d'aller dans ce square. Donc l'atelier qu'on va retrouver ici à la cabane va permettre justement une rencontre, une première rencontre avec les courroucées et le grand public également, les enfants, les adultes ou autres. À la cabane, vous allez pouvoir venir fabriquer votre propre courroucée à partir des formes que je vais vous donner en papier. Aussi, c'est à vous cette fois de les construire, de les tailler et de leur donner aussi un caractère selon l'émotion que vous ressentez. Si vous êtes timide, vous pouvez en faire un tout petit, et si vous êtes en colère, en faire un très grand. C'est vous qui voyez.